Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un jeu d'oracle. Et je vous propose de découvrir Les Messagers d'Égypte de Iliade. Alors, Les Messagers d'Égypte, donc de par Iliad, donc Iliade de son vrai prénom, donc Constance Amodric. C'est un jeu qui est donc sorti aux éditions Arcana Sacra de chez Alliance Magique. Le, en juillet 2020, c'est sorti au prix donc, de, de 32 euros euh, pour à l'intérieur retrouver 42, 4, 42 cartes. Pardon. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu la boîte. Alors, comme d'habitude, je vais vous montrer l'intérieur de celle-ci. Donc on va retrouver tout d'abord un premier livre d'accompagnement. Donc ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'espère que je cadre bien. Comme d'habitude, hop. Alors voilà à quoi ressemble un peu l'intérieur. Donc c'est euh, en, en texture euh, comme vous pouvez le voir, de toute façon à travers les reflets que c'est c'est pas, pas du papier, c'est c'est plus lié en, en plastique. Donc on a un petit sommaire. Et voilà directement euh, à l'intérieur du livret. Donc on va retrouver à chaque fois sur la partie gauche, on va retrouver donc l'illustration de la carte, le nom de la carte, les quelques petits mots clés et donc un texte, une partie symbolique divinatoire qui est juste derrière. Et une partie note, euh, si on veut écrire des choses. Et ainsi de suite. Donc on va retrouver à l'intérieur de, de tout ce livre ce, ce genre de choses. Euh, je vous donnerai un peu mon avis sur celui-ci après dans la partie avis, bien évidemment. Et à la fin, on arrive directement. Pouf, vous voyez, il n'y a, a, a rien d'autre. Il n'y a même pas de proposition de tirage. On le met à côté. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver une autre boîte hein, qui, qui cache donc, euh, le jeu d'orac. Hein, donc boîte sur boîte. Merci à la planète. Euh, hop, tac, à l'intérieur, on va retrouver donc le fameux jeu donc, de 42 cartes. Alors, encore une fois, les boîtes sont belles, hein, on va pas dire le contraire. Les boîtes sont malgré tout assez jolies. Alors, au niveau des cartes, nous avons ici du coup euh, le dos de la carte. Donc, voilà un dos qui peut se lire à l'endroit ou à l'envers. Donc, c'est plutôt sympathique, euh, très stylisé, égyptien, etc., avec les bonnes couleurs. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Pas de, pas de dorure sur le côté, une qualité qui est tout à fait correcte, hein, on va pas se mentir, la qualité est plutôt bonne. Étonnamment, on n'a pas de, de dorure, etc. Pourtant, le jeu qui reflète beaucoup de beauté, de grâce et beaucoup de mise en avant, c'est vrai que c'est surprenant de trouver un, un, une impression assez basique, assez simple. Encore une fois, qualitative, mais assez simple. Et voilà, niveau des cartes, donc voici par rapport à la taille de ma main. Alors, encore une fois, j'espère que je cadre bien. Oh, Peut-être relever un tout petit coup. Hop. Voilà, ici ça devrait être bien. Donc, on retrouve du coup par rapport à ma main, donc vous voyez un peu le niveau illustration. Donc, on va retrouver à chaque fois donc l'illustration de la carte. On va avoir également euh, un numéro par rapport à la carte et nous aurons aussi également le titre de l'illustration, en tout cas le titre de la divinité avec ici plus ou moins bien accrusté, On va pas se mentir, on sent bien que ça a été rajouté par dessus. Donc voilà, je vous montre donc toutes les cartes. Attendez, hop, je pour vous montrer un peu à quoi ressemble ce, ce jeu quand même hein, avec ses illustrations donc ils vont reprendre bien évidemment donc à travers les messagers d'Égypte vous, vous doutez bien qu'on va rester en Égypte on va retrouver donc les différentes divinités euh, qui sont présentes sur place ainsi que pas mal d'éléments de la symbolique égyptienne encore une fois s'il y a des illustrations que vous voulez voir un peu plus en détail n'hésitez pas à faire poste. Bah, à faire pause pardon surtout que pour le coup les illustrations valent le coup de rester euh, à les regarder, à prendre un plus en profondeur parce qu'il y a vraiment de, pas mal de détails et elles sont vraiment très jolies. Enfin, un, en tout cas, c'est un style que j'admire je, je, beaucoup. Hop, donc j'avance. Hein. En dessous, Bastet. Alors, on retrouve vraiment encore une fois le style hein, qui, qui est très marqué, très présent, mais sur chacune de la mythologie égyptienne, le fameux ré. Horus, hein, bien évidemment. Amout, Benou, Néfertoum, Apophis, Nounet, le Sphinx, Anupet, Set, Paout, Knum. Isis, alors Isis qui, qui change parce que là on a une dorure, enfin une dorure. on a une partie, vraiment une carte qui est vraiment très ensoleillée hein, par rapport aux autres qui restent très sombres, donc c'est vrai qu'elle est un peu mise à part, malgré tout dans la construction du deck euh, il n'y a, a pas de, de, de référence on va dire spécifique pour vous dire de la mettre à part ou quoi. Mat, Satis, Sekmet, Serket, Misis, très joli hein, bien sûr. Amon, hein, le fameux. Et on termine avec, avec Chou. Chou, 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 Je ne sais pas comment on prononce. Donc voilà un peu à quoi ressemble le jeu d'Oracle. Je vous propose maintenant qu'on se retrouve la, en vue face caméra pour que je vous donne un peu mon avis concernant ce jeu. Donc euh, les messagers d'Égypte. Les messagers d'Égypte. Alors qu'est-ce que je peux vous dire Qu'est-ce que je peux euh, vous répondre concernant ce jeu Est-ce que je vais vous dire qu'il est bien Est-ce qu'il n'est pas bien Qu'est-ce que vous avez pensé hein Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez que je vais vous dire Eh bien, figurez-vous que je ne suis pas très fan de ce jeu. Voilà, je vais vous le dire de manière très honnête. Euh, la chose, pour moi, le seul intérêt vraiment de cet oracle, si on peut appeler ça un oracle, c'est les illustrations. Les illustrations sont vraiment très belles. Euh, L'artiste, donc Constance, a de son pseudo euh, fait un travail merveilleux. Moi, c'est un style qui me parle beaucoup. J'adore ce style-là. En plus, sur les différentes divinités, elles sont très bien représentées. Il y a des boîtes symboliques, etc. Donc, franchement, bravo, vraiment bravo. Ça, je n'ai rien à reprocher. Malgré tout, on est face à un jeu d'oracle. Un jeu d'oracle est censé être utile. Ce jeu n'est pas utile. Pour moi, on est plus face à un tirage d'art. C'est-à-dire qu'on euh, on imprime plusieurs euh, images, on imprime plusieurs euh, créations, plusieurs œuvres, que, que euh, réellement un outil qui va servir en divination ou même en développement personnel. Euh, je ne sais pas si l'oracle a été créé suite aux illustrations d'Iliad, parce qu'Iliad euh, crée euh, déjà ses illustrations sur différents comptes Instagram, euh, etc., Facebook. Vous pouvez la retrouver assez facilement. C'est une personne qui crée pas mal, donc qui est avant tout artiste. La question que je me pose, c'est est-ce que l'oracle a été créé par rapport à ces illustrations, dans le sens où est-ce que ces illustrations existaient déjà et qu'on a juste rajouté euh, des noms, on a juste rajouté le, le, la thématique de l'oracle, ou est-ce que on a créé tous ces illustrations pour l'oracle Je ne pourrais pas répondre. L'autrice. Et donc l'illustratrice pourrait éventuellement répondre. Si tu passes par là, Constance, n'hésite pas à partager cette information. En tout cas, encore une fois, le travail est bon. Hein. C'est encore une fois, l'illustration, moi, je la trouve vraiment très belle. Malgré tout, on n'est pas sur un jeu d'oracle dans son utilisation. Euh, tout simplement parce que ça manque de structure, en fait, tout simplement parce que, à part nous faire un défilé des 40 divinités, qu'est-ce qu'il reste Rien. On est sur un jeu qui va nous présenter chaque divinité, qui va nous montrer en plus dans une posture qui est une posture en portrait, etc. Mais qui n'est pas en, dans une action précise, qui ne renvoie pas forcément à une thématique précise. On n'a pas de carte qui va représenter par exemple l'amour, le travail, etc. Alors je dis pas que tous les oracles doivent se représenter sous une thématique très structurée qu'on peut. Euh, qu on Peut connaître habituellement, on peut partir dans quelque chose de, de plus original, bien évidemment. Sauf que, bah, déjà, il faut être effectivement être plutôt expert, on va dire, de la divinité égyptienne pour pouvoir bien comprendre. Déjà, quand on fait référence, là par exemple, j'ai la carte devant moi, Chou, je le connais pas. Bah, il faut déjà savoir à quoi représente euh, Chou. Le même, la carte Amon, Amon, on connaît de nom. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de me dire de tête, Amon, qu'est-ce qui représente, surtout si vous connaissez pas trop? Bah, L'Égypte, ça, 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 ça va devenir compliqué. Et même si vous connaissez bien l'Égypte, est-ce que vous connaissez parfaitement la mythologie d'Ammon C'est une autre question. Donc là, déjà, on est face à un, un petit problème. Surtout que les cartes, à pas avoir le nom euh, de, euh, inscrit dessus, nous n'avons pas euh, d'autres euh, éléments. On n'a pas de mots clés, des choses comme ça qui permettraient de pouvoir nous aider à, à tirer les cartes. Donc, comme vous savez, comme je vous dis souvent. C'est pas forcément grave, on a peut-être le livret qui peut nous accompagner, etc. Même si c'est chiant, parce que, bah, encore une fois, un jeu d'oracle ça se s'utilise avant tout avec les cartes. Le livret d'accompagnement doit être un accompagnement, une aide supplémentaire, peut-être au début, mais on doit quand même s'en détacher assez rapidement. Donc, le truc c'est que le livre est très mauvais. Moi, je vais vous, vous dire vraiment ce que je pense. Déjà, euh, je trouve très gros pour pas grand-chose. Les messages qu'on a à l'intérieur sont pas si longs que ça. On a une partie présentation qui présente un peu la divinité mais sans le présenter réellement et on a une partie divinatoire qui bah vient compléter un peu ce qu'on a dit juste avant ou parfois partir dans un autre sens euh, donc les deux messages sont, sont, sont un peu étranges et surtout bah, encore une fois quitte à faire un jeu comme ça moi j'aurais bien aimé avoir une présentation carrément de de, bah, de chaque personnage de chaque divinité et nous dire bah voilà tel va euh, nous raconter un peu le mythe <coughs> pardon nous raconter un peu finalement le mythe à travers chaque, à travers chaque carte. Et on n'a aucune mythologie qui nous est donnée. On a quelques éléments euh, très basiques. Mais c'est tout. Et surtout qu'en plus, le livre est épais. Donc il est quand même assez grand. Il est en couleur etc. Donc euh, voilà. Et euh, on est euh, en plus on a des pages qui ne servent à rien. On a plein de pages de notes. Alors déjà, moi, quand je trouve qu'à la fin, on, on rajoute des pages de notes, je ne sais pas qui les utilise réellement. Mais là, en plus, on nous rajoute des pages de notes à chaque carte. Alors je comprends l'idée que bah, voilà quand on utilise le jeu, bah on note après ses, ses ressentis un petit peu sur ça. Pff, je ne pense pas que ce soit très utile, très honnêtement. Donc encore une fois, un livre, enfin j'ai dit épais, épais dans le sens où bah, il n'est pas très consistant et on aurait pu le réduire beaucoup plus. Surtout que derrière, je rappelle quand même que nous sommes quand même dans, face à un jeu qui a une petite boîte où sont contenues les cartes et nous avons une grosse boîte, nous avons un coffret. Donc écologie, planète. Hein, voilà on va rappeler juste ce côté là c'est pas terrible du tout euh, je veux dire autant simplifier mettre tout dans tout le jeu dans une boîte comme ça et mettre un petit livret de quelques pages ou alors maintenant comme ça se fait mettre une petite un petit QR code pour retrouver des vidéos des choses comme ça bon, après on peut critiquer les QR codes mais en tout cas on aurait pu simplifier et puis bah franchement ça aurait été beaucoup plus efficace d'avoir on va dire genre 2-3 cartes qui reprend euh, qui reprend toutes les 42 cartes avec une succession de mots clés c'est tout aussi efficace que, voire même plus efficace que, que ce qu'on a dans le livre actuellement donc euh, encore une fois tout à coffret ça puis surtout je vous rappelle quand même que le prix de 32 euros c'est quand même assez cher malgré tout alors bien sûr quand on voit la boîte de la boîte on peut se dire, ok, mais bon, encore une fois, la qualité des cartes, elle n'est pas extraordinaire non plus. Hein. Je veux dire, elle n'est pas mauvaise, encore une fois, il y a eu pire, C'est pas trop fin. Mais bon, euh, ce n'est pas des cartes qui, si on l'utilise régulièrement, qui vont tenir dans le temps. Je veux dire, j'en ai déjà eu dans cette qualité-là. On aura vite les bordures blanches qui vont se dépasser sur les, les coins des cartes. Donc, voilà, en plus, même la texture, de manière générale, etc., je ne suis pas fan. Et je trouve que ça ne rend pas honneur réellement, finalement, à l'illustration qui est derrière. Ça, ça fait partie peut-être d'une question de goût aussi. Ceux qui possèdent le jeu, vous me direz quoi. Je pense qu'on aurait pu mettre plus en avant ce jeu, surtout qu'encore une fois, j'ai quand même pas mal de jeux d'oracle, de tarot, etc. Bah, j'ai déjà eu de la qualité qui est quand même supérieure. Je me dis, c'est dommage, parce que les illustrations sont vraiment très belles. On aurait pu faire en plus un effet vraiment sur les cartes avec, je sais pas, le personnage et le fond qui se. Dé... Enfin, un, un, un style différent, en fait. Vous voyez, on aurait pu faire, mettre plus en avant le personnage, j'aurais rendu beaucoup plus classe, en fait, sur les cartes. Eux, finalement, on a une impression qui est assez classique. Et on a une grosse boîte et 32 balles quoi. 32 balles. Euh, ouais, ça c'est quand même assez cher quoi. Surtout qu'encore une fois, pour ce qu'on va en faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce jeu là, vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez déjà peut-être aperçu, vous le connaissez peut-être, mais que vous, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez déjà probablement vu et entendu parler. Et pendant un bon mois, on l'a vu beaucoup et on l'a plus du tout vu. <laughs> Depuis, il n'existe plus. Et même pire que ça, c'est que je me suis aperçu qu'il n'était même plus réédité. C'est un jeu, euh, ça ça vient de l'édition bien sûr, Arcana Sacra et en particulier Alliance Magique, qui euh, a une, une façon de faire qui voilà, a fait débat, je ne vais pas remuer tout ça, mais effectivement il y a beaucoup d'histoires qui sont tournées autour, euh, pas forcément autour de ce jeu, attention, mais de manière générale l'édition. Et c'est vrai que, bah, encore une fois, c'est un jeu qui pour moi un peu... Euh, un peu un effet waouh, parce qu'effectivement les illustrations sont très belles. On a vu beaucoup d'influenceurs le posséder, le mettre en avant en disant qu'il était incroyable et génial. Et au bout de même pas quelques semaines, le jeu a complètement disparu des radars. Bah, je suis désolé. Si le jeu n'existe plus aujourd'hui, déjà en termes d'édition, mais même en termes de, de popularité, etc., c'est qu'il y a peut-être une raison aussi. Encore une fois, ce jeu-là, à quoi il sert Bah, on va tirer une seule carte. On va, prendre, on, va, on va faire un tirage, on va tirer une carte, on va se référer au livre, mais comme j'ai dit, il n'est pas top. Donc au final, pff, il n'est pas utile. c'est pas un livre qui, qui est vraiment intéressant. Euh, un livre, un oracle qui est très intéressant. Dirais, on aurait beaucoup pu faire mieux. quoi Un oracle, c'est pas juste des illustrations qui sont très jolies. Encore une fois, je ne reproche pas. Donc, euh, Iliade. De, sa, de cette création-là, parce qu'encore une fois, les illustrations sont très très belles. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il n'y a pas eu de structure qui a été faite derrière. Pour moi, j'ai eu l'impression qu'il y a limite Alliance Magique ou Arcana Sacra qui s'est rapproché en mode Ah, tu fais des super illustrations, ça te dit de faire un oracle. On s'occupe de tout. Au final, ils ne sont, sont occupés de rien à part faire une grosse boîte et, de, et envoyer plein de jeux à plein d'influenceurs. Mais je veux dire, il, il aurait suffi d'une personne qui aurait pu travailler en collaboration avec Iliad, éventuellement, si elle aurait été d'accord, bien évidemment pour mettre ces illustrations, enfin, ou toi structurer un peu mieux pour déjà diviser par exemple les différentes divinités par thématique, enfin, on aurait pu creuser beaucoup plus loin. Là, ce jeu-là, euh, je dirais, j'aurais acheté un livre ou euh, une série, enfin, comme en plus, enfin, l'illustratrice, il y a dans une boutique Etsy où elle vend justement des impressions d'art. Donc, c'est-à-dire ces illustrations-là et d'autres qu'elle a fait également les divinités grecques et je, elles sont très très belles. Je, je craque pour une d'entre elles, euh, elles sont magnifiques. Elle les propose donc des tirages d'art, elle les propose. Au, au final, euh, sur un, autant acheter vraiment les illustrations qui nous plaisent bien et nous les mettre dans un cadre et rendre honneur vraiment à, à l'illustratrice, surtout que je pense qu'elle doit toucher un peu plus de ces illustrations là que vraiment de cette qu'elle a pu toucher de cet oracle là. C'est dommage. C'est dommage parce qu'encore une fois, on a un très beau talent, mais qui n'est pas du tout euh, mis en avant et qui n'est pas du tout, on va dire vraiment, on rend pas justice. Et encore une fois, bah, c'est dur pour moi de dire que c'est un oracle parce que bah non, c'est un tirage d'art. Euh, pour moi, est-ce que c'est possible de faire un tirage? Bah après, encore une fois, on peut utiliser n'importe quel support. Mais vraiment, dire, pour les débutants, ce n'est pas intéressant. Et puis même, enfin, dire, on va poser peut-être trois cartes. Et puis voilà, quoi. après, ça, ça, pour moi, ce serait difficile de poser beaucoup plus de cartes que ça. Parce que bah, chaque carte va apporter. C'est juste des personnages. Donc, pour moi, ce n'est pas possible de faire de la divination avec. On peut peut-être recevoir quelques messages. Mais bon, peut-être en complétant avec un autre jeu, etc. Mais c'est tout. C'est un jeu qui est inutile et qui encore une fois pour moi euh, le fait qu'on le retrouve nulle part, qu que, que voilà, qui, qui, que personne l'utilise dans le domaine ou même au quotidien. Pour moi, ça, ça exprime vraiment des choses, quoi. Donc, euh, c'est flagrant que de, d'un de, 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 résultat, d'un du, constat en tout cas. Encore une fois. Magnifique jeu, je pense que je l'ai assez dit, je l'ai assez répété. J'insiste vraiment là-dessus parce que je veux pas euh, me montrer comme quelqu'un qui, euh, qui critique l'autrice, etc. Parce que pour moi, le problème ne vient pas de l'illustratrice et donc de l'autrice, mais vient plutôt de l'édition, de comment ça a été fait. Parce que encore une fois, c'est de la poudre aux yeux. C'est très très beau, c'est ça, on ne pourra pas le reprocher, mais derrière. Pff les illustrations ont une énergie, ça c'est sûr et certain, on sent bien que la personne qui fait ces illustrations est investie dans, dans, dans sa manière de créer, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'oracle en lui-même, encore une fois, dissocions l'œuvre, les œuvres et l'oracle. Et bien bah, si on enlève tout ça, bah, l'oracle n'existe pas. Donc c'est vraiment, pour moi, que des belles illustrations. Voilà, euh, est-ce que je voulais dire autre chose bah, À part le fait, encore une fois, que je suis un peu outragé par rapport, au, encore une fois, l'effet boîte sur boîte. Hein. On trouve encore une fois des jeux qui sont quand même beaucoup moins chers aujourd'hui et qui sont beaucoup plus pratiques. Donc, euh, bon, et de meilleure qualité d'impression. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez un avis, si vous possédez ce jeu, dites-le moi. Si vous utilisez encore ce jeu, quelle est votre pratique Qu'est-ce que vous en pensez Etc. Quel est votre avis par rapport au mien je suis ouvert, hein, je ne suis pas fermé par rapport à la discussion. Dites-moi, faites-moi vos retours justement. En tout cas, moi, je vous dis tout de suite que c'est un jeu qui est complètement dispensable. Si vous aimez les illustrations, faites-moi. Je pense vraiment, moi, je vous le dis, et je pense que l'autrice que l'illustratrice, serait d'accord là-dessus, c'est que allez plutôt dans la boutique Etsy directement de de, 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 de cette d'Iliade, de, de, de coup de Constance, et allez. Plutôt, Commander vraiment l'illustration euh, qui vous plaise, euh, vous, vous aiderez et vous accompagnerez plus facilement euh, la personne que plutôt de partir sur cet oracle qui, en plus, déjà en plus, comme je vous dis, il n'est pas réédité donc pour le trouver, bon courage! C'est pour ça d'ailleurs que je vous mets pas de lien parce que je vais pas vous mettre un lien pour que vous achetez ce jeu d'occasion qui est aujourd'hui, je l'ai vu à 65-70 balles. Peut-être qu'il va encore augmenter. Ça les vaut pas du tout, n'achetez pas. Vraiment, n'achetez pas, ne, ne donnez pas du blé à, 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 à d'autres personnes, donnez de l'argent pour les illustrations, et donc à l'autrice directement en achetant sur sa boutique, mais ce sera là, passez à côté, vraiment, 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 voilà, c'est ce que je pouvais dire là-dessus, euh, sur ce jeu, euh, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, merci de vos retours, merci de votre soutien, et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et de nouvelles présentations, à bientôt